Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Isabelle qui va nous parler de son expérience dans l'accompagnement de Bien Coach Prosper. Bonjour Isabelle. Bonjour Olivier. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Alors oui, je suis Isabelle Favreau et j'accompagne les femmes qui sont en transition de vie à devenir libres d'être elles-mêmes, rayonnantes et impactantes dans une vie qui leur ressemble. Super, top. Voilà. Ouais, c'est précis. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vivais avant de faire l'accompagnement il y a quelques mois? Alors, moi, avant de faire l'accompagnement, j'avais précédemment donc une autre chaîne YouTube de remise en forme. J'avais une chaîne YouTube de remise en forme pour les femmes de plus de 40 ans, en fait. Et parallèlement à ça, dans mon histoire personnelle, voilà, j'ai accompagné mon mari durant son cancer. Et donc, du coup, ce que je communiquais, cette chaîne YouTube, je l'ai eue pendant plus de 4 ans. Et ce que je communiquais dans cette chaîne YouTube, je sentais que ça commençait à plus être aligné avec moi. Je sentais que ça manquait de sens, ça manquait de rayonnement, en fait. Voilà, ça manquait vraiment de. Le message était plus. Pour moi, le message que j'avais à transmettre devait être plus profond. Voilà, plus. Et donc, du coup, j'ai créé ensuite un bureau chez moi, puisque je me suis formée aussi à l'énergie. Voilà, je suis devenue énergéticienne. J'ai créé un bureau et en fait. J'ai donné donc des séances, mais je sentais toujours pareil, qu'il y avait autre chose que je voulais transmettre et toucher plus de femmes, plus de personnes. Et je suis arrivée sur un mail de Olivier Métral. Je m'étais inscrite à ta liste, je ne sais pas quand. C'est qui celui-là? Mais oui, en plus, comment ça s'est passé, je m'en rappelle parfaitement bien, puisque je me suis dit, je suis polluée par des mails, faut vraiment que j'en nettoie. Et Olivier Métral faisait partie des mails que je recevais régulièrement, mais que j'ouvrais plus, en fait. Je me suis inscrite à un moment, mais j'avais pas ouvert et j'avais pas lu spécialement. Et je me suis dit, voilà, je me suis dit, tiens, si je me suis inscrite à un moment avant d'aller supprimer, écoute. Et j'ai écouté. Je me suis inscrite à une session. J'ai pris un rendez-vous, en fait. Et voilà. Et j'ai fait partie de Coach Prosper. Ok, Le bon, truc improbable, voilà. bah, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, du coup, ta problématique, c'est que tu te sentais plus aligné en fait avec ce que C'est tu ça. faisais à ce moment-là de ta vie, hein, si j'ai bien compris. Complètement, complètement, c'est ça. Tout à fait. Et comment ça se manifeste quand on n'est pas aligné, comme ce que tu as vécu en fait à ce moment-là? Plus l'envie de faire des vidéos, plus l'envie. Ouais, de continuer ce format, de transmettre ce message-là, plus l'énergie, plus ça. Et au fond de moi, dans mon corps, vraiment, ça demandait des efforts, en fait. Ça demandait des efforts. Ça devenait difficile, alors que pendant des années, c'était quelque chose de fluide, de facile, qui correspondait à qui j'étais à ce moment-là, en fait. Voilà. Mais Et puis. Et puis, il commençait aussi à grandir en moi. Voilà, je commençais aussi à avoir d'autres envies dans ma vie personnelle. Donc, je sentais que la liberté commençait. Voilà, cette valeur de liberté commençait à grandir en moi. Enfin, voilà, il y a des choses qui, voilà, qui j'étais plus en accord avec le message que je transmettais, en fait. Ça allait plus. d'accord. Donc là, tu lis des mails que tu reçois de notre part, etc. Et tu décides de prendre rendez-vous avec nous. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. J'ai eu rendez-vous avec Léni, en fait. Ouais. Et ça a été fluide. J'ai eu un moment d'arrêt, voilà, quand on est arrivé à la fin de notre échange et de réflexion, mon réflexion par rapport à cet engagement que ça me demandait financièrement, en fait, hein, aussi, parce que pour moi, c'était un engagement important financier. Et puis j'ai dit, je me suis, c'est pareil, hein, quand je prospère avec Olivier Métral, j'ai écouté ce que je ressentais en fait. Et là, j'ai écouté ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, faut y aller, voilà, faut y aller, c'est pour toi, t'y vas, et go, c'est parti. Et ça s'est très bien passé avec Lénie, vraiment. Ah, je t'entends plus, Olivier. Oui, j'ai coupé mon micro. Voilà. Donc là, tu décides
de prendre de commencer l'accompagnement. Comment, enfin, t'as pris un petit peu de réflexion, temps de réflexion. Ok, j'y vais, c'est parti. Comment t'es accueilli? Comment ça se déroule au départ pour toi? Alors, je suis très bien accueillie. Ma coach, c'était Aurore. Ça s'est très bien passé avec elle. Donc, d'emblée, voilà, bien accueillie, cadrée. Je me suis sentie vraiment entourée, cadrée, une équipe bienveillante. Donc, super bien, vraiment super bien. Bon, beaucoup de bienveillance dans cette équipe, en fait, vraiment. Ok, super. Est-ce que y a des choses que tu as transformées dans cet accompagnement en interne? Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer, que tu as transformées? Oui. Cette assurance-là, ce truc-là en moi qui fait que je sais que c'est OK maintenant, que ça va être fluide, que je suis sur mon chemin d'évolution d'accompagnement, on va dire, à transmettre le message que j'ai à transmettre. Je sais que ça va vraiment le faire. Il y a cette assurance-là, ce truc qui fait que c'est OK. J'ai tout ce qu'il faut, de toute façon, avec Coach Prosper, hein, on m'a tout transmis, j'ai tout ce qu'il faut pour que ça soit fluide, il y a toutes les étapes à suivre, donc vraiment, ça va le faire, sans problème. Voilà, c'est sécure à l'intérieur de moi, et ça, c'était pas évident au début, hein. C'était pas évident parce que je suis rentrée un peu challengée par un petit peu par l'argent, un petit peu par tout ce que je voyais au niveau contenu, voilà. Mais en fait, ça s'est posé, ça s'est calmé et c'est sécure, c'est OK. Ok. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant l'accompagnement? Si oui, comment tu les as gérées? Comment tu les as surmontées, ces difficultés? Oui, bah surtout au début, en fait, justement. Surtout au début, voilà, par rapport à, c'est très rapide que je prospère, c'est intense. Et moi, j'avais une activité aussi encore à côté, et du coup, ça me demandait du temps. Et au début, je me suis dit, oulala, comment je vais gérer tout ça? Voilà, un petit peu ce stress-là. Et puis, au fur et à mesure du module 1 aussi, de tout ce que ça nous apporte, hein, tout ce que ça nous transmet, moi, j'ai pris mon temps pour le faire, ce module-là, hein, du coup, vraiment. Et ça s'est vraiment posé émotionnellement aussi. Avec cette sérénité, cette tranquillité qui fait que je me suis dit, ça va le faire, c'est OK. En fait, tu as tout en toi pour que ce soit OK et tout ce qu'on transmet, voilà, tu as juste à suivre parce que là, tu as aussi tout le process de l'entreprise, on va dire, entre guillemets, de tout ce que tu dois transmettre qui est là, qui est Ouais. clair. Donc, ça va le faire. Voilà. Ok, super. Donc, t'as su trouver l'organisation pour pouvoir le faire malgré cet emploi du temps chargé. Oui, ça s'est fait, ça s'est fait. Vraiment. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience de l'équipe? Comment tu la qualifierais, cette équipe? Le mot qui me vient déjà, c'est bienveillance. Voilà, déjà, à la base. Bienveillance, alors déjà, Aurore, puisque c'était ma coach, elle a su, mais vraiment, ça a matché assez rapidement avec Aurore et elle a su... Vraiment avancer avec moi étape par étape en comprenant tout à fait ce que je traversais à chaque fois. Enfin, vraiment, c'était le bon conseil, le bon mot, vraiment ce qu'il fallait au moment voulu, en fait. Ça tombait à point, voilà. Et puis l'équipe, les coachings de groupe, super. Voilà, on ressent vraiment une énergie, beaucoup de bienveillance, et en même temps aussi, ça booste. Heureusement que l'équipe est là aussi parce qu'elle nous booste, elle nous booste même pas mal, hein, donc, mais c'est chouette, c'est cool parce qu'on sent bien que c'est très respectueux de qui on est, donc c'est chouette. Et d'ailleurs, moi, je trouve que ça se voit beaucoup. On est nombreux, hein, à évoluer et à changer durant ces coachings. Ça se voit physiquement, hein, ça se voit. Et puis Erwan aussi, un mot pour Erwan, parce qu'il est juste topissime, d'une bienveillance, d'une compréhension, d'une patience, et voilà, il est top, voilà. T'as plus de son, Olivier.
J'ai toujours pas de micro, je sais pas pourquoi, je m'auto-censure. Oui, Ouais. Erwan, c'est la personne qui s'occupe de la technique, coach Oui, technique. Ouais. exactement. Ok, super. C'est quoi d'ailleurs l'aspect de l'équipe qui t'a le plus apporté? Alors là, c'est compliqué. Ah non, alors là, J'ai c'est pas dit que je vais poser compliqué. des questions faciles. Ah, oh, bêtard, choisir. Mais en fait, chacun a apporté, c'est très complémentaire. C'est ça qui fait la force, justement, de coach prospect. C'est que tout le monde, c'est très complémentaire. C'est-à-dire que ma coach personnelle, ben, elle savait exactement trouver les bons mots, me faire au moment où elle sentait que moi, ben, justement vu l'emploi du temps que j'avais, qui était chargé, ben c'était challengeant et ben elle savait me rebooster. Donc elle savait exactement trouver les bons mots. Le coaching de groupe, c'est très, ça forme vraiment une équipe. Même entre nous, on s'aide, on partage aussi des expériences de vie qui peuvent aussi aider les autres. Enfin, donc du coup, c'est très important aussi. Je veux dire, c'est très. Et puis Erwan, le technique, qui est tout seul un peu là dans son coin, mais qui en attendant fait justement le coaching technique et tout ça. Mais heureusement qu'il est là aussi, parce que pour ça je dis c'est très complémentaire, parce que moi au niveau technique, je me suis assez bien débrouillée. Mais tout de même, il y a eu une ou deux petites choses que j'avais un peu oubliées et tout ça. Et heureusement aussi qu'il est là. Donc Ouais, pour c'est checker très. que tout est nickel, quoi. Exactement, lui Mmh. vérifie que tout est nickel au niveau de notre technique, et quand on n'est pas le, voilà, quand on connaît pas tous les outils et tout ça, et qu'on les apprend dans Coach Prosper, bah c'est vraiment très rassurant de savoir qu'il est là, et en plus il répond toujours présent. Donc difficile de choisir Olivier tout de même, mais bon, voilà, c'est non, mais c'est Coach Prosper tel qu'il est conçu, c'est très bien conçu en fait, voilà. Super, ah, merci. De rien, c'est normal. Voilà. Est-ce que je peux te demander ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Ben, justement, le fait que je sens que c'est sécure là à l'intérieur de moi, cette confiance qui fait que je sais qu'avec mon accompagnement, l'accompagnement que je transmets à toutes ces femmes, je sais que ça va le faire pour elle, puisque bon, ce que je transmets, je l'ai vécu aussi, hein, et je continue toujours à évoluer, mais elle aussi, et donc du coup, j'ai cette assurance et cette certitude que je les emmène vraiment sur leur chemin, alignés avec elle et avec à créer leur vie aussi, hein, qui leur ressemble, et en même temps aussi, le fait que bah, pareil, je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne en fait. Et ça va m'amener sur bah, la vision que j'ai aussi pour moi, ça va m'amener à la liberté que je veux aussi complètement créer dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai par exemple mon fils qui est à 500 km, ma fille qui est à 2000 km, et que bah, j'ai aussi maintenant, et je le sais que ça va être OK, cette liberté de pouvoir aller voir l'un, cette liberté d'aller pouvoir voir l'autre, et d'y rester le temps que j'ai envie, de pas, tu vois, avec quand on est salarié, les vacances, enfin bref, voilà, Je vois bien. de pas être limité dans tout Je ça. Et j'ai une très connais. grande, voilà, j'ai une très grande envie de liberté aussi, de voyager. Je sais que tout ça va se faire en fait, et j'ai déjà commencé moi à poser. Voilà, j'ai déjà commencé à initier ces pas vers tout ça, donc c'est chouette. Il y a cette assurance qui est là, en fait. Génial. Ouais. Génial, génial. En plus, tu as fait des ventes? Oui, j'ai fait deux ventes et c'est chouette, et c'est chouette, ouais. Te demander combien tu as généré? 2 400 euros. 2400, bravo, super. Top. Ouais. Par rapport à tout ce que tu as mis en place, quel impact tous ces changements ont dans ton quotidien? Le fait que tu puisses être mobile maintenant, que tu puisses. Mais justement, c'est dans mon quotidien, bah, c'est déjà de gérer mon temps comme je le souhaite aussi, ça c'est hyper important pour moi. Et d'être mobile, bah, c'est justement, comme je le disais, de pouvoir aller voir mon fils, de pouvoir aller voir ma fille, et de savoir que je peux travailler, voilà, en étant près d'eux aussi, de passer le temps que j'ai envie avec eux, avec les gens que j'aime.
Donc ça, pour moi, c'est hyper important parce que la famille, ça fait partie, voilà, c'est une valeur très importante chez moi. Et puis cette liberté de, en fait, pour moi, m'épanouir à travers mon travail, c'est quelque chose qui a vraiment du sens et qui est vraiment important. Et c'est ce que je suis en train de créer, en fait. Et ça, c'est juste waouh, voilà. Génial. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Bah, tu vois, ça me met même les larmes aux yeux quand j'en parle, en fait. Ça m'émeut parce que ouais, j'ai beaucoup de gratitude. Ouais. Vraiment. Voilà. Je ressens. Ouais. Ouais, ça m'émeut parce que c'est juste. C'est exactement. Je suis sur mon chemin. Voilà. Génial. Qu'est-ce que tu dirais à la version d'Isabelle d'il y a quelques mois? Waouh, mais go et arrête de flipper par rapport au manque d'argent et tout ça, quoi. Non, mais vas-y, vas-y. Fais-toi confiance et fais confiance. Si c'est arrivé à toi, c'est pas par hasard. Voilà. Et vas-y. C'est OK. Voilà, sans hésitation. Cool, excellent. Excellent, excellent. Bah, bravo en tout cas pour tout ce que tu as mis en place. Bravo pour le fait d'avoir mis en place ton offre, une offre qui soit alignée avec toi, d'avoir mis en place tout le système technique également jusqu'au bout qui te permet de vendre cette offre de façon automatisée. Et puis bravo pour la transformation interne qui te permet de. Qui te permet d'être aligné avec tout ça et puis qui te permet également de vivre de ton activité. Oui, mais merci. Merci à toi. Merci à toute l'équipe aussi. Merci à vous. Génial. Je leur transmettrai tout cela. Avec Merci en tout plaisir. cas. Et puis on garde le contact puisque on n'en est qu'à la mi-temps de l'accompagnement. Exactement, exactement. Avec plaisir. Super. Merci beaucoup. Je te souhaite une magnifique journée, Isabelle. Merci, toi aussi, Olivier. À bientôt. À bientôt. Bye bye.